Écoutez, je crois que la transition agroécologique va attirer par son activité même, plus intéressante, qui nécessite plus de compétences, notamment auprès des jeunes qui sont très sensibles à l'écologie, mais aussi aux métiers qui sont plutôt proches de la nature. Des parcours professionnels vont être initiés, notamment au niveau de la Commission paritaire nationale emploi. On met en place les certifications qualifiantes, notamment sur les futurs outils, les futures méthodes de production agricole, qui ont du sens d'ailleurs, puisqu'on est dans la transformation agroécologique. Ça permet des parcours professionnels, ça permet d'attirer, bien évidemment. Donc tout le travail à faire en agriculture et sur la formation initiale, les parcours certifiants et professionnalisants, et puis l'image bien évidemment de l'agriculture, où il y a de beaux métiers, proches de la nature, avec tous les apports qu'on pourra donner sur les aspects d'hébergement, de mobilité nécessaires à l'activité dans la production agricole.